La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal tenu pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les impudiques (Hébreux 13,4). Les Écritures ne disent jamais ce qu'un mari et une femme sont ou ne sont pas autorisés à faire sexuellement. Alors comment pouvons-nous savoir si quelque chose est sexuellement permis entre un mari et une femme La Bible nous donne des principes généraux concernant les relations sexuelles au sein du mariage. Les rapports sexuels doivent honorer Dieu. Notre corps est destiné à glorifier le Seigneur, non pas à être contrôlé par nos passions, ni à être utilisé pour l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 6, 12. Honorez donc Dieu avec votre corps. Les relations sexuelles ne concernent que le mari et la femme. 1 Corinthiens 7, 2, 3, 4 nous enseigne que le mari s'acquitte de ses devoirs conjugaux envers sa femme, et que la femme s'acquitte de ses devoirs conjugaux envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais. Le livre à son mari. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais le livre à sa femme. Chaque conjoint offre son corps à l'autre avec un mot. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord et pour un temps, afin de vous adonner à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par vos manques de maîtrise. 1 Corinthiens 7, 5.